The cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere and they covered it up. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la tueuse en série Eileen Wuornos, aussi surnommée la Demoiselle de la Mort. Elle fut active durant les années 90 aux États-Unis et comptabilise au total 7 meurtres. Elle fait partie des rares femmes ayant assassiné des inconnus, donc n'ayant pas commis des crimes passionnels. Pour mieux savoir qui elle était vraiment, nous vous résumerons son histoire pour essayer de comprendre ses actes, puis nous vous parlerons des crimes en eux-mêmes, pour finir sur son jugement. Si cette histoire vous intéresse, nous vous invitons à plonger avec nous dans ce nouvel épisode de Criminel. Première partie, son enfance. Née en 1956, aux États-Unis, son enfance est très dure. En effet, avec l'emprisonnement de son père pour séquestration et l'abandon de sa mère au profit de ses grands-parents, sa jeunesse ne fut pas de tout repos. Sans oublier que son grand-père l'agresse sexuellement jusqu'à ses 15 ans, avant de la chasser de la maison. À partir de ce moment-là, elle commence à se prostituer pour subvenir à ses besoins. Elle se fait repérer par les services de police pour des petits délits, jusqu'au jour où elle commet l'irréparable. Deuxième partie, les meurtres. Au total, 7 hommes sont tués par Eileen. Mais on va se concentrer seulement sur le premier et le dernier, qui sont selon nous les plus intéressants. Richard Mallory, 51 ans, est la première victime de la Demoiselle de la Mort. Rappelons d'abord que cet homme a déjà été condamné pour des faits de viol et tentative de viol. Richard récupère Eileen au bord de la route et l'emmène en forêt pour recevoir ses services. La voiture et le corps nu du défunt sont retrouvés quelques jours après, dans un fossé. Elle dira plus tard que l'homme a tenté de la violer, mais qu'elle s'est défendue en lui tirant 3 fois dessus. Pendant un an, elle tue des hommes jusqu'au 19 novembre 1990, où elle assassine sa dernière victime, Walter Antonio, un homme de 62 ans. Il a lui aussi demandé ses services à Eileen en tant que prostituée au bord d'une route. Son corps est retrouvé le jour même près d'un chemin forestier et son véhicule lui avait été déplacé dans un autre état. L'autopsie révèle qu'il a été tué par 4 balles, 3 dans le dos et 1 dans la tête. Ce sera la dernière personne qu'Eileen Wuornos assassinera avant d'être interpellée. Troisième partie, le jugement. Elle est arrêtée le 9 janvier 1991 suite à la découverte d'empreintes et avoue les meurtres le 16. Elle prétend qu'elle a toujours agi en état de légitime défense. Quelques jours plus tard, son procès commence. Les preuves récoltées par la police, comme par exemple l'arme du crime ou des objets volés aux victimes, aident l'accusation et elle est déclarée coupable. Elle est condamnée une première fois à la peine de mort pour le meurtre de Richard Mallory et le procès, révélant que le même mode opératoire a été utilisé pour les autres meurtres, elle sera condamnée 5 fois à la peine capitale, même si de nombreuses analyses psychologiques ont révélé une instabilité mentale et des troubles s'apparentant à la schizophrénie chez Eileen. Son procès est l'un des plus médiatisés des États-Unis. Il sera même en partie filmé et produit quelques années plus tard au cinéma. L'annonce de sa sentence est un choc pour elle. La femme s'emporte. Elle sera exécutée le 9 novembre 2002 par injection létale à la prison de Floride, un état dans lequel elle est la deuxième femme à avoir été exécutée. Sa dernière déclaration est « Oui, je voudrais juste dire que je voyage avec la roche et je reviendrai, comme la fête de l'indépendance avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film, grand vaisseau mère et tout, je reviendrai. » Ses cendres sont répandues dans un lieu encore inconnu du grand public aujourd'hui. Pour conclure, l'histoire d'Eileen Wuornos a pu ouvrir le débat sur les conditions de vie et surtout les droits des prostituées aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui que son passé, les circonstances de ses meurtres et son état mental n'ont pas assez été pris en compte lors de son jugement.